Donc là, je suis en train de te faire chauffer de l'eau de source qui a été filtrée. Ici, pour le repas de midi, j'ai mis à tremper de la chicorée que j'avais plantée au printemps dernier, du pissenlit, des nombrils de Vénus. Des blettes que j'avais plantées aussi et du plantain. Je le fais tremper pour que déjà il y ait un petit nettoyage, puisqu'après je vais le manger cru. Après, et que j'ai un peu de farine, j'ai testé d'autres farines en attendant de pouvoir faire la farine de châtaigne en quantité plus importante pour y être autonome en farine. Là, j'ai mis du blé ancien, bio et complet. Avec, il me restait un peu de maïs, du sarrasin et de la farine de riz complet. Donc, j'ai fait une boule pour pouvoir me cuire à la casserole des petites galettes. Et après, ben là j'ai du fenugrec grec qui vient compléter la cueillette et c'est tout. Donc ça sera le même repas midi et soir, et ce matin j'ai rien pris du tout. Des fois je prends de l'eau chaude, mais là on est dans une forme d'intersaison où il fait pas trop froid pour allumer le poêle et j'ai pas encore l'abri à l'extérieur pour progressivement revenir à une alimentation naturelle. Mais dans un premier temps c'est difficile, alors c'est impactant moralement, hein. Mais ensuite, progressivement, vous ressentez une distance. Quand tu vas vers une alimentation naturelle, tu ne peux pas compenser émotionnellement par les aliments que tu aimes. Tu te retrouves avec des aliments qui sont d'un faible réconfort émotionnel pour l'alimentation plaisir. Elles sont plutôt, c'est le plaisir de manger parce que tu as faim. Et ensuite, tu vas avoir une autre forme d'énergie et une autre forme de paix et de quiétude. On va avoir une alimentation vivante et donc on peut considérer que on a besoin d'énergie et que cette énergie on la trouve dans les plantes qui sont vivantes et pas des plantes qui ont traîné, même des légumes qui ont traîné sur des stands, qui sont allés de la cueillette jusqu'à vous. Donc cette alimentation vivante, elle offre à la fois de l'énergie, à la fois de la quiétude, il y a une harmonie qui se crée dans l'organisme. Et c'est pour ça que j'avance vers ça, même si parfois j'ai eu des rechutes, et parce qu'il faut traverser tout le reste que l'on enlève. Il faut traverser par la solitude, il peut y avoir des variations émotionnelles. Ces variations émotionnelles, on a eu l'habitude de les compenser. À chaque départ de Johan, par exemple, il y a des attraits pour moi vers son alimentation, mais c'est aussi parce qu'il est présent et après il s'en va, il y a un vide de sa présence. Pareil pour Petit Pépère. Et donc, tout ça, il faut pouvoir l'observer, le regarder. Si vous l'observez, vous ne suivrez pas le comportement d'une manière inconsciente. Bien sûr qu'il y a tout un tas de personnes qui n'en ont rien à foutre, qui c'est leur souhait, c'est leur avancée, on ne parle pas de tout ça. Il y a des gens qui ne se poseront même pas ce genre de questions. Mais pour ceux qui sont attirés vers une alimentation dépouillée, il faut savoir quand même qu'il va y avoir un temps. Et ce temps-là, il faut l'accompagner. Parce que c'est comme le mode de vie que j'ai, il peut être impactant quand il fait froid, quand c'est humide, quand c'est petit, quand tu es seul. Et si tu fais que subir, au bout d'un moment, le corps va signaler une incapacité de s'adapter. Et donc il faut l'accompagner. C'est-à-dire que si tu manges quelque chose que tu n'as plus l'habitude de manger, tu le fais. Et après, tu as un peu l'impact, tu vois. Voilà. Donc je vais préparer, je vous le montre pas parce qu'on l'a déjà filmé plusieurs fois, je vais préparer mes galettes, manger et puis continuer ce que j'ai à faire dehors. Ce que je voulais dire, c'est que, je le dirai je pense dans le prochain vlog, mais c'est que là, même si j'ai dit que j'aimais l'hiver, à la fin de l'hiver, suivant si ça a été un peu rude ou pas, et cette année ça l'a été un peu, il y a la joie du printemps, tu vois. Et après, il peut y avoir l'inconfort de l'été. Et j'aime beaucoup l'automne qui prépare justement à l'hiver. J'aime beaucoup toutes les saisons. C'est vrai que l'hiver, elle est plus intériorisée. C'est plus solitaire.
Et c'est une phase que j'aime, c'est un peu austère aussi, mais elle a ses limites aussi dans la durée, selon la forme, selon les douleurs de dos, selon si j'ai du bois ou pas, ça peut être compliqué. Voilà. Donc soyez progressif si vous voulez aller vers une alimentation dépouillée, accompagnez-vous aussi, mais sachez que vous ne pourrez pas vous écouter si ce n'est un ressenti profond qui vous donne la direction d'aller vers le sauvage. Après, vous ne pourrez pas écouter vos envies momentanées, comme certaines personnes qui m'avaient écrit « il faut s'écouter ». Là, vous ne pouvez pas, parce que si vous vous écoutez, vous allez reconsommer l'environnement toxique dans lequel vous vous trouvez, qui ne sont plus du tout les mêmes lorsque tu prends cette décision de revenir à un état sauvage. Et quand je parle de sauvage, ce n'est pas pour dire « je vis dans la nature sauvage », etc. Non, c'est un retour à quelque chose qui t'enlace, qui t'enveloppe, et donc tu peux supporter au nom de ça, si tu veux, toutes les phases qu'il va falloir traverser. Mais pour ça, tu dois goûter. Donc voilà les quatre galettes avec la boule que j'ai fait. Ici, une où j'ai mis le mélange de plantes sauvages que j'ai rincé, coupé, mis de l'huile d'olive et du sel, et le fenugrec que je viens rajouter dessus. Comme il me reste un fond de miel, je me suis fait un miel vinaigre de cidre. Et ce soir, ça sera la même chose. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small.
We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Alors, bien sûr, ne faites pas ce test, je le fais pour pas que vous ayez à le faire. En fait, un aimant qui fait à peu près 200 à 300 kg qui peut tenir. Bon, là, la poussée évite que ça va riper. Je ne vais pas le tester fort. L'idée, c'est de ne pas avoir à utiliser un treuil. Là, il y a la caravane. Là, il y a un autre arbre. Je voudrais qu'il parte par là. Je vais faire l'entame. Et après, je vais utiliser le cric pour pousser. Voilà, j'ai vu un cric forestier comme ça, mais je n'ai pas trouvé à l'achat. Donc, si ça me plaît, le fonctionnement, si là ça fonctionne, si ça pousse bien, je le souderai. Mais avant de le souder, je veux faire ce test, qui est limite au niveau sécurité, mais on va prendre les précautions qu'il faut. Donc j'ai pas coupé loin pour que justement on se retrouve dans ce cas de figure où il faut de la pousser. Et ça pousse bien. Hein. Simplement ça s'enfonce un peu dans la terre. Et c'est un appui sur les branches tout là-haut. Mais je vais le souder. Pour moi c'est satisfaisant. Il faut juste avoir un bon point d'appui en bas. Et ça envoie, ben, c'est sûr. Hein. Bon là c'est sur l'aimant, donc je fais gaffe, je suis vigilant. Quoi.